L'homme de l'an 2000 ne voit pas plus loin que son ombre et convaincu qu'il forgera son avis sur ce monde en piochant dans celui du plus grand nombre et qu'il ne sera rien tant qu'il n'aura pas tout ni vu en haut de l'affiche son nom. Un rat parmi tant d'autres ou un démon parmi tant d'êtres cherche à briller comme un astre et de son monde être le best. Le bonheur à l'effigie d'un billet vert, l'homme de l'an 2000 l'a plus d'élevesse pour atteindre son règne. Si comme tout le monde il croit être comme personne, illusion qui jusque dans le couloir d'amour résonne. D'ailleurs en la matière l'échec lui a damé le pion. Derrière ses pas, il laisse des miettes, rêve de gosse, mais c'est que l'amour tôt ou tard nous sépare. Bref, au fond il ne sait pas, il ne sait pas. Un gars peu clean et qui brille, équipé au bling bling. Une victime de son temps forgé au stéréotype. L'homme de l'an 2000 c'est lui, c'est elle. Et elle en veut plus que la veille, la belle époque où les belles se contentent de se taire. Pas assez d'élan pour glisser entre les cases inconsciemment. Aide à faire disparaître des massacres, les mains sales. Le modèle alors qu'isilé le savon d'un système qui promet d'éterrer parfois même la femme de sa vie. A réduit ses désirs en besoin pour canaliser la flamme. Son envie de se faire un nom ou de trouver la faille. De trouver la faille. Un gars trop mal aboli qui joue sa vie comme au Monopoly. Se tape les gros bolides et traite le reste du monde has been. Aspire au luxe et espère que cela dure tant qu'il respire. Il emboîte le pas assez semblable, cherche de l'affection en boîte. Fait croire qu'il s'amuse devant un verre de tease. Spliff ou quand sur le net il diffuse les photos de ses soirées ivre mort. Il ne vit qu'à travers les images sans comprendre l'expression vivre mort. L'homme de l'an 2000 c'est aussi elle. Elle qui se voit aussi belle, peut-être de celle qui pense que le nombril de la planète c'est elle. Le verbe cru, respect 0 degré dans l'être. Oui l'aspect émettre, mais sous la parole il y a du vent en fait. Il hésite à s'armer d'un calibre, coupe les yeux qu'il braque. Traqué par la peur et les cieux paralysés jusqu'au nerf. On étouffe son instinct révolutionnaire en 2008 et ainsi de suite. Sur les pavés, la plage, vision en aplat. Des hommes de l'an 2000, y en a plein. Alors quand il arrive en... Le temps!